Salut les amis, alors bienvenue pour la suite de ce let's play sur EVE Online. On s'était donc quitté la dernière fois en rendant une mission à Imuri Asaka. On va donc voir aujourd'hui ce qu'il nous veut puisqu'il y en a encore à nous offrir. Maison des archives, la situation est devenue compliquée. L'actuel déploiement de sécurité ne résistera pas longtemps face à ces drones. Vitamilla, le commandant local, semble se contenter de contenir les drones, mais cela ne fait que donner plus de temps à ces petits salopards pour s'enfuir ou renforcer leur nom. Je dois en savoir plus sur ce commandant et sur les raisons pour lesquelles il semble ne pas savoir ce qu'il fait. J'ai une amie au nom de Nachi Koruda qui travaille pour le House Record et qui devrait pouvoir nous fournir ses réponses. Rendez-vous au bâtiment des archives où elle travaille et revenez me voir avec tous les éléments susceptibles de nous fournir des explications. Ce n'est pas un travail particulièrement prestigieux, mais il faut le faire si nous voulons pouvoir prendre la bonne décision sur la façon de procéder. Ok, bon ben on va aller voir ton ami alors. Définir la destination. Propulseur de warp activé. Bon, à côté de ça, il n'y a que 3 seaux, donc c'est pas la mer à boire non plus. Pour l'instant, on rencontre personne, mais c'est à se douter puisqu'il a pris le temps de préciser que ça ne serait pas une mission très reluisante. Donc je ne pense même pas qu'on va être attaqué. Nous verrons bien, mais j'en doute. Comme je le pensais, on n'a pas été attaqué. Demande d'amarrage envoyée. Demande d'amarrage acceptée.
Je suppose que c'est ici qu'on va le récupérer, du coup. Voilà, c'est ça. Et on retourne donc le donner à ce très cher Imuri. Donc effectivement, mission pas très intéressante, puisqu'il s'agit juste d'un aller-retour. Mais bon, fallait le faire. Demande d'amarrage envoyée. Demande d'amarrage acceptée. Alors bien sûr, j'ai coupé les sauts de retour. Vous avez déjà vu l'aller, je n'allais pas vous embêter à avoir le retour, même s'il n'y a que 3 sauts. Je pense pas que ce soit très très intéressant pour vous. Donc rendons notre mission à ce cher Imuri Asaka. Ça dit que Vitamala a été nommé à son poste grâce aux relations de sa famille. Ça ne va pas arranger nos affaires. Ah bah ça le piston, mon vieux. Ça a toujours été. Diversion mercenaire. Nous sommes dans une situation délicate. Nous ne pouvons pas nous attaquer à lui directement. Même s'il ne sait pas exactement ce qu'il fait, il a beaucoup trop de relations pour qu'on le mute sans une bonne raison. J'aurais pu m'attendre à ce genre de choses de la part des Galante, mais pas dans l'état. Un homme peut se hisser à un certain niveau en travaillant dur et en faisant preuve de dévouement, mais pas parce que son père a des amis dans l'administration. Quelqu'un doit l'aider à gérer cette situation. Quelqu'un qui soit un vrai guerrier et un serviteur loyal de l'état. La première difficulté est de libérer du temps dans son agenda. Si vous pouvez vous occuper de ça, je pourrais m'occuper de remplir la paperasse pour sa réaffectation. Il est actuellement déployé dans un système proche, aux prises avec une force mercenaire que nous pensons être appuyée par les pirates Gurista. Si vous ne pouvez pas éliminer tous les vaisseaux Gurista, je peux m'arranger pour qu'ils soient réaffectés pour s'occuper de ce problème de drone. Eh ben, moi je ne suis jamais contre de l'action. Donc si tu me dis qu'il y a des vaisseaux à déglinguer, j'y vais tout de suite. Il n'y a pas de souci. Alors, vous devez voir P vers place, l'emplacement de la mission. On y va. T'inquiète pas. Pulseur de warp activé. Eh ben, voilà déjà le comité d'accueil. Enfin, un petit peu d'action. Allez, venez, je vous attends. On va se faire une petite fête. Juste entre poteaux comme ça, à coups de grosses munitions. Infiltrateur PC ou PT, je sais pas. Un infiltrateur, quoi. Qui va prendre cher. Hop, et de 1. Vas-y, continue à me tirer dessus, toi, et tu vas voir. Ah, mais il m'écoute, en plus, il arrête de tirer.
Ah, désolé, tu vas prendre cher quand même. Hop, au suivant. Et voilà. Du coup, ben on peut amarrer. Propulseur de warp activé. Demande d'amarrage envoyée. Demande d'amarrage acceptée. Une économie menacée. J'ai le plaisir de vous annoncer que le transfert s'est passé comme sur des roulettes. Une des premières choses qu'a faites notre commandant a été de demander l'appui de frégates et de croiseurs pour sa flotte. Il devrait être capable de se défendre si les drones tentent de forcer le passage. Ah bah tu vois, donc tu as encore une mission pour nous. On va y aller. Il n'a pas assuré les coordinations avec la division de logistique d'urgence de la Navy. À cause du chaos causé par ces drones, une colonie près d'ici n'a pas reçu sa livraison de matériel agricole. Si nous n'affectons pas la livraison nous-mêmes, nous risquons de mettre en péril leur entière économie agricole. Quand vous aurez apporté ces marchandises à notre flotte, ils se chargeront du reste. Et nous pourrons enfin concentrer notre attention sur les causes sous-jacentes de ce problème. Vous aurez besoin d'au moins 150 mètres cubes d'espace disponible dans la soute pour faire cette livraison. Ne l'oubliez pas. D'accord. Propulseur de warp activé. Je ne sais pas vous, hein, mais qu'est-ce que je donnerais pas personnellement pour pouvoir voyager dans l'espace comme ça? Ça doit être tellement impressionnant. Propulseur de warp activé. Propulseur de warp activé. Ouais, bah apparemment c'était juste ça. Demande d'amarrage envoyée. Demande d'amarrage acceptée.
Oui, je viens de recevoir des nouvelles de la colonie. Ils devraient pouvoir respecter leur calendrier de production, ce qui est une excellente nouvelle. Merci, Vankara. Vous avez rendu un grand service au peuple Kaldari aujourd'hui. Si vous avez besoin d'aide dans votre enquête sur les drones, dites-le-moi. Mais j'étais un peu là pour ça à la base, hein, quand même. Normalement, les forces de sécurité locales devraient s'occuper de cette menace de drones elles-mêmes. Mais nous avons décidé d'engager un capsulier pour ce travail. Vous devrez y aller seul pendant que notre flotte défend la position. Je vous conseille d'emmener quelques collègues avec vous. Le nombre de drones ne cesse d'augmenter. De nouveaux drones corrompus rejoignant continuellement le groupe. Une fois que vous aurez neutralisé la menace, fouillez l'épave à la recherche d'indices pouvant vous aider dans votre enquête. Pulseur de warp activé. Propulseur de warp activé. Détruisez des ennemis. Ah bah voilà. Bah c'est parti. Bah, s'il vous plaît, mourrez pas trop vite par contre. Ce serait pas marrant. Je sais pas si je l'ai mis assez fort pour que vous l'entendiez, mais la petite musique derrière est vraiment sympa. Ah bah ça y est, m'ont tous ciblé. Je crois que j'étais repéré là. Moi j'ai pas essayé d'être discret non plus en même temps. Allez, c'est parti. Suivant. Hop, encore un.
ça en fait, il y en aura pour tout le monde. C'est comme pour la confesse, c'est chacun son tour. Recharger. S'occuper du suivant. C'est de la démolition là. Je pensais pas que ma petite fête aurait autant de succès que ça. Ça fait plaisir. Je vais même pas avoir besoin de déclencher le réparateur si ça continue, si ça tombe tout seul. À moins qu'il y en ait qui reviennent après, ce qui est possible aussi. Belle performance de pilotage. C'est le dernier drone. Vous pouvez prendre le temps d'examiner la carcasse de l'épave, mais j'ai reçu une transmission officielle des Sisters of Eve pour vous. Il semblerait qu'ils aient une nouvelle piste à suivre. Bon bah, on va rentrer là. Propulseur de warp activé. Demande d'amarrage envoyée. Demande d'amarrage acceptée. Alors, mon ami, qu'est-ce que tu as à me dire ? Merci d'avoir réglé ce problème de drone. Pour un capsulier comme vous, ça peut paraître insignifiant. Ouais, c'est clair que c'était un peu facile quand même. Mais croyez-moi, peu de gens auraient pu faire ce que vous avez fait. Vous êtes promis à un grand avenir. J'espère que vous continuerez à utiliser vos talents pour faire de bonnes choses dans l'État ou ailleurs. Bah écoute, merci.
Je viens d'être contacté par Sister Alitura. Elle veut que vous repreniez contact avec elle au plus vite. Tenez, prenez cette balise transpondeur avec vous. De cette manière, je saurai que vous êtes bien arrivé. Oh, tu t'inquiètes pour moi, comme c'est mignon. Retournons voir les sisters. Propulseur de warp activé. Propulseur de warp activé. Demande d'amarrage envoyée. Demande d'amarrage acceptée. Écoutez les amis, nous voici donc de retour auprès de Sister Alitura. Nous verrons donc dans le prochain épisode ce qu'elle va nous demander pour la suite des événements, notre petite enquête sur les drones. Je vous souhaite donc une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand est-ce que vous aurez vu la vidéo, en espérant que celle-ci vous aura plu. Je vous dis donc à bientôt. Allez, salut, bye bye.